Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons réaliser la cuisse de dinde au four. Pour réaliser cette recette, évidemment, on aura besoin de la cuisse de dinde que j'ai coupée comme ça pour bien faire entrer la marinade après. J'ai ici les épices du persil, du thym, de poivre noir, un peu de curry, une petite pincée de cumin, de mélange d'épices. Ça, c'est le parfumé de poulet et du gingembre. J'aurai besoin aussi du sel. J'ai un cube de bouillon, 3 cuillères à soupe de l'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de moutarde, 4 gousses d'ail, 3 oignons, 1 verre d'eau et de la pomme de terre. Moi, j'ai pris environ 1 kg, c'est pour un repas de familial. Voilà, c'est parti pour la réalisation de la recette. Pour commencer, je prends un bol. Voilà, je verse dedans les 3 cuillères à soupe de huile. J'ajoute par la suite mes épices. J'ajoute le tout. Ensuite, j'ajoute la moutarde, la cuillère à soupe, avec l'ail. Voilà. J'ajoute ensuite un petit peu de sel, pas beaucoup, et je mélange bien la marinade. Voilà. Voilà, je la mets de côté, je ramène ma cuisse de dinde. Hop, je vide un peu à plat. Je vais mettre un petit peu, saupoudrer seulement avec le sel, pas beaucoup, donc sur les deux côtés, sur ce côté-là et sur le deuxième. Voilà, pareil sur le même côté, j'ai fait une petite, des petites coupes avec le couteau, comme ça. Donc, je n'ai pas assez de poulet parce que je vais utiliser le cube de bouillon de volaille. Voilà. Comme ça. Ensuite, je prends la marinade, elle est bien là, et je mets partout. Voilà, je dépose comme ça, et j'essaie de faire entrer à l'intérieur bien la marinade, comme ça. Donc, sur ce côté-là, et aussi sur le deuxième côté. Je vais tourner et je fais la même chose. Voilà notre cuisse de dinde bien marinée. Maintenant, dans un plat qui va au four, je mets environ 3 oignons que j'ai coupés en lamelles. Donc, je vais déposer comme ça. Je prends ensuite la cuisse de dinde et je la mets ici. Voilà. Ensuite, pour récupérer un peu la marinade, je mets le bouillon de volaille sur ce même bol et je verse le verre d'eau. Ensuite, je mélange bien et je vais mettre sur le plat qui va au four. Voilà. Ensuite, je verse l'eau dans le plat. Un peu partout pour la cuisson de la cuisse, comme ça. Je vais couvrir avec du papier film et c'est parti au four environ 30 minutes. Ensuite, après 30 minutes, on va rajouter les pommes de terre et je passe à une cuisson de 40 minutes à 190 degrés. Et voilà, notre cuisse de poulet, elle sera bien prête. Voilà, c'est parti au four. Voilà, quelques pics et c'est parti au four. Et voici la recette d'aujourd'hui, notre cuisse de dinde cuit au four, bien cuit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle mise en ligne.